J'ai envie de toi. Écoute pas ta mère, elle est folle. Tu peux m'embrasser quand même. Il y a un type qui s'est fait renverser par une moto. Bonsoir, s'il vous plaît. Oh! Et tu sais que t'es marié avec un héros? Il y a un type qui est venu saboter l'assistance respiratoire d'un patient. Si j'avais pas été là, il y passait le mec. Hein. Bon, après, il y a les flics qui sont venus nous interroger. Ça a duré des plombes. Pourquoi tu pleures, mon amour? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, tu fermes ta gueule et... C'est toi qui fermes ta gueule! Allez, on me ferme! Arrête! Maintenant, tu t'es, sinon la prochaine, elle est pour elle. D'accord, d'accord. Le mec qu'on a essayé de tuer hier soir, tu vas le faire sortir. Si tu préviens les flics, ta femme est morte. D'accord, la touchez pas, je vous en prie, l'enceinte! T'as 3 heures. Bonjour. Bonjour. L'interne m'a demandé de le monter en radiologie. D'accord. Je veux pas d'emmerde. Je veux juste récupérer ma femme. Le patient qui était là, il est où? T'étais à 2 mètres, c'est bête. Alors, nous laisser la place. Putain de merde. Tu vois? Direction ligne 3, un escalator. Faites les payer tous les deux. Vous savez ce que vous avez à faire? Oui, monsieur. Vous pouvez les retrouver avant que la crème s'en mêle. Cette fois-ci, si vous le loupez, c'est moi qui vous louperai pas. Bon, nous, ça s'arrête là. C'est dehors, alors tu le rappelles et vous demandez ma femme. Maintenant! Si vous apercevez l'un de ces deux hommes, prévenez immédiatement les forces de police. Je vous rappelle qu'ils sont armés et dangereux. J'ai rien fait, je vous jure. Ils ont enlevé ma femme. Où tu vas? Je vais me rendre. Fais pas ça. Nous vous buterons tous les deux. Qu'est-ce que tu fais? C'était pas prévu, ça, hein?